Hum. Caméra de recul, il y a quasiment 5 ans que j'utilise la caméra HaloFU qu'on m'avait euh, envoyée, c'était l'un des premiers partenariats que j'ai eu. Le gros intérêt de cette caméra c'est qu'elle était sans fil, il suffisait de trouver l'alimentation à l'arrière pour alimenter la caméra, mais ensuite au niveau de la connexion et du transfert des images dans l'écran... Ça se fait sans fil, donc il n'y a pas de fil à passer de l'arrière du véhicule jusqu'à l'avant, et c'est pour ça que j'avais opté pour ce système. Entre-temps, je t'ai présenté un autre système euh, sur le camion, hein, euh, avec des caméras euh, sans fil, mais autonomes à batterie autonome, où là je gère euh, 4, 4 caméras, ou 3 ou 4 caméras, je crois que c'est 4 caméras que je peux placer, disposer où je veux, elles sont magnétiques. On peut même coller le support magnétique dessus, ça je t'en avais parlé dans une précédente vidéo. Et là ils viennent de m'envoyer ce système qui va donc remplacer le système que j'ai dans le camping-car actuellement, tout simplement parce que celui-ci, tu as un capteur de pression sur chaque roue. Ça veut dire que tu vas pouvoir contrôler ta pression des pneus perpétuellement. Et quand tu vas avoir une baisse de pression, et eh bien, l'appareil va te le donner. Ça me semble être une... quelque chose de pas mal. Tout d'abord, on va commencer par changer la caméra. Donc, il y a un joint d'étanchéité, tu vois, en caoutchouc. Et tu as la petite caméra qui est comme ça, qui est légèrement différente. Alors, il va falloir bien sûr y ajouter l'antenne. Tout est indiqué sur l'antenne. Donc là, c'est l'antenne la... pour la caméra. C'est marqué dessus. Il suffit de la visser sur le côté pour pouvoir ensuite l'articuler. Attention, qu'elle Elle soit à droite. Et j'ai déjà le câble de l'alimentation puisqu'il y a juste besoin d'une alimentation la liaison avec l'écran se fait par wifi alors moi c'est un enjoliveur donc là il peut pas y avoir de on a une caméra qui est quand même un petit peu plus grosse un peu différente mais celle-ci va toujours pouvoir me servir peut-être je vais pouvoir peut-être même connecter les deux la mettre sur un endroit différent puisque sur l'écran on peut connecter plusieurs caméras. Alors est-ce qu'on a les mêmes entraxes de trous Je pense que oui. Que ça se branche exactement dans l'alimentation que j'avais déjà. Maintenant, il faut passer le câble pour pouvoir le rentrer complètement. Euh, pour la caméra, c'est fait d'ailleurs le petit voyant bleu est déjà allumé donc elle est déjà sous tension moi j'avais déjà tiré le câble pour l'ancienne caméra alors euh, la plupart du temps les caméras tu les branches sur les feux de recul sauf que si tu branches sur le feu de recul tu, peux, tu ne peux malheureusement pas avoir la vision lorsque tu es en marche avant euh, si tu passes pas la marche arrière tu verras pas dedans donc le mieux c'est quand même d'avoir une, une alimentation en 12 volts que tu irais récupérer sur autre chose que la caméra de recul. Une alimentation un plus, un moins, euh, qui va te permettre ensuite de pouvoir visionner à l'arrière, même quand tu n'as pas ta marche arrière enclenchée. Ensuite, il va me falloir fixer l'écran qui va recevoir la caméra. Donc c'est un écran, je ne sais pas si je te l'ai expliqué en préambule, mais il va pouvoir aussi détecter la pression des pneus, puisqu'on va ajouter des petits modules sur chaque roue, et ça va nous permettre de contrôler en direct la pression des pneus, et de savoir à quel moment il faut les remettre en, en pression. Et pour ça, bien sûr, on va programmer la pression sous laquelle il ne faut pas que ça descende, la pression au-dessus de laquelle ou en dessous de laquelle on est alerté, on verra tout ça ensuite. Pour ce qui me concerne, j'ai déjà un système à view. je l'ai maintenant depuis quelques années, il est toujours fonctionnel. Euh, je suis en train de le retirer. Hein, on vient d'enlever la caméra. J'ai cet écran que j'ai rajouté. Je te rappelle l'autoradio, euh, tu vois, avec le GPS, etc. D'ailleurs, à ce propos, je vais certainement changer. Euh, j'avais SIGIC. Je vais certainement dégager SIGIC parce que là, le prix, c'est exorbitant. Et, et en fait, euh, je vais en essayer un autre. On en parlera euh, prochainement. Donc, l'écran que j'avais pour le moment, tu vois, c'était celui-là. Donc, il est quand même petit. Et tu vois, j'ai mon. Qui a très très bien tenu, hein, qui a très très bien tenu, qui a tenu même très solidement et que je vais avoir beaucoup de mal à enlever. Je ne vais plus le remettre là derrière, je vais le remettre ici sur le côté. Parce que là derrière, ce n'était pas pratique. Chaque fois, euh, si je ne suis pas bien orienté avec l'écran, je suis embêté. Quand tu colles quelque chose comme ça euh, et que ton tableau de bord est un peu granuleux, il existe un disque de, de colle semi-molle. Et ça, tu vois, mais ça ne colle pas. Hein, ça ne reste pas collé sur les éléments, tu peux les détacher. Par contre. Euh, du coup, ça, ça adhère bien et puis ça ne se décolle pas. Hein. Alors là, ici, dans la mesure où je vais réutiliser des trous, parce qu'il y avait eu des trous de l'ancien propriétaire, qui avait certainement un GPS qu'il a récupéré lorsque j'ai acheté le véhicule, ben, je vais plutôt mettre l'écran ici maintenant, parce que là, c'est un petit peu loin, euh, c'est même pas un petit peu loin, c'est que c'est caché par mon gros écran qui est ici. Il y a la ventouse, donc la ventouse que j'avais déjà, hein, celle-là, elle est un peu plus costaud apparemment, ou la ventouse. En fait, il y a deux ventouses. Voilà. Tu en as deux. Tu deux types. Tu en as une qui se colle et tu en as une qui se ventouse. Comme ça, tu peux choisir. Il y a du câble, il y a tout un tas de choses. Euh, et alors, il y a également, mais ça, je l'ai déjà, hein, la prise allume cigare pour le brancher. Et tu peux couper directement, tu vois, l'alimentation. Sur le, la, la prise allume-cigare. Ça, c'est plutôt sympa. Moi, je vais poser celui-là et je vais percer des trous pour le visser, en fait. Voilà. Et comme ça, il sera vissé et ça ne bougera pas. Parce que là, si je le colle, tu il vois, va, il va être ici. Si je le colle, j'ai peur que ça tienne pas. Ah, ensuite, tu as les réglages, euh, réglages complets du, du support. Alors, il faut pas que je me trompe de côté. Et voilà Donc, trois vis j'ai tracé avec un papier, je ne t'ai pas montré ça parce que ça va celui-là il a tenu jusqu'à maintenant ça a tenu pourquoi Parce que regarde, il y a une glissière là en fait ce n'est pas un aimant, c'est une glissière tu détaches et ça glisse tu vois, ça tu desserres c'est pour ça que ça tient bien elle vient se fixer et ensuite tu vois, tu glisses ça dans la glissière, tu vois, dans la glissière qui est là et du coup bah, ça tient super bien quoi et là ça a tenu euh, tout ce temps et ça n'a pas bougé hein. il nous reste pas mal de trucs, il nous reste les boosters, alors les boosters, qu'est-ce que c'est Quand tu as un véhicule long, tu poses un booster pour que le signal il passe par le booster. Donc euh, tu vas pouvoir aller du coup jusqu'au bout parce que ça va t'amplifier le signal. On m'a donné deux boosters compte tenu de la longueur de mon véhicule. Est-ce que vraiment j'en aurais besoin de deux Je ne sais pas. Je vais voir, je vais faire des tests et on va donc euh, fixer ces deux boosters. Ensuite, tu as toutes les piles pour les, les valves, tu vois alors les valves ça se présente comme ça, ça ça vient sur tes valves, sur chaque valve de roue, et c'est ça qui va communiquer la pression à ton unité centrale. Ça il faut que je trouve une place pour pouvoir fixer ça quelque part. Je vais pas avoir besoin de deux boosters, je pense pas. Hein. T'as des petites pinces crocodiles euh, pour euh, fixer ce booster et as un autocollant. Donc ce que je vais faire, je vais aller piquer le courant sur la batterie directement, et puis comme ça je serai en 12 euh, tout le temps. Et... Donc brancher sur le courant, tu vois, il y a le voyant vert qui est allumé. Là, maintenant, je vais aller le fixer. Alors, bon, il y a du câble, il va falloir que je l'accroche correctement. Un petit booster que je colle ici. Si vraiment je vois que ce n'est pas suffisant, j'en collerai un autre dans le coffre. Concernant les valves, donc je t'ai montré tout à l'heure, il y a ça à mettre sur la valve, tout simplement. Avec, les piles sont fournies. Alors, combien de temps vont durer les piles, j'en sais rien. Bon, ça, on verra. À l'usage. Je pense que c'est des piles qui doivent durer quand même suffisamment longtemps. On ouvre le petit couvercle qui est là et on rentre la pile, le dos lisse dessus. Hein. Tu rentres la pile. Ensuite, tu enlèves le bouchon. On enlève ce bouchon et on met à la place ce gros assez rapidement. Hein, parce que sinon tu perds de la pression. Et voilà. Et là... Tu vois, c'est en place. On va faire ça pour les six roues. À peine mis en route, tu vois, ça a déjà détecté. Alors, la, la vision, elle est vraiment au top. Hein. Ça a déjà détecté euh, la caméra. Alors, la caméra, je vais peut-être devoir la mettre un petit peu plus bas. Ensuite, quand tu appuies, eh bien, tu as TMPS. C'est ici. Et là, on va choisir les essieux. Chaque sensor a une référence dessus, tu vois. Et sur le couvercle ici, tu as. Une référence. Ici, par exemple, on est sur DD00A8. On met la pile dedans, le, le, le côté lisse au-dessus. Hein. Donc, c'est facile. Tu fais ça. Ensuite, tu mets ton petit couvercle. Tu mets ton DD00A8 sur la valve. Tu la vises bien. Ça ne fuit pas du tout. Hein. Et là, ensuite, je t'emmène avec moi. Donc, tu as vu, on l'a mis sur le troisième essieu. Hein. Et alors, ce que tu fais, là, tu le tableau de contrôle. Voilà. Donc, là, c'est le dernier qu'on a fait. là. Le DD058. Là maintenant, on se met sur celui-là. On fait auto learn. Là, tu peux même mettre une caravane et mettre des, des capteurs de pression, une remorque. C'est quand même pas mal. Tu choisis euh, au moment où tu commandes. Alors tu vois, voilà, je mets ça sur le, la valve. Au moment où tu commandes, tu choisis euh, le nombre de roues, le nombre d'essieux, le nombre de roues, et ensuite tu paramètres. Bon voilà en clair, hein. si ça ne marche pas, c'est que tu as une pile qui est défaillante. Il y avait deux piles supplémentaires. Je comprends mieux pourquoi. Certainement parce que justement, une possibilité que les piles ne fonctionnent pas. Voilà où on en est. Donc on a à l'avant 5, 1, 4, 9, tu vois. Et là, tu vois, 3, 7, 3, 9, 3, 9, 3 8, 3, 7. Il hein. y a une, des petites différences au niveau de la température. Il y en a un pneu qui est à 30 degrés. Là, si par exemple je mets sur les essieux avant, sur le premier essieu, 5. 5,5 entrée. Voilà. Donc comme ça, on sait que à 5,5 on est en surpression après. Et en low pression, on va mettre 3,4. 3,4. Et je mets entrée. Sur le deuxième essieu, on va mettre euh, 3,9. 4 on va mettre 4, 4 kilos. Voilà, 4 kilos. Entrée. Et sur la, le plus bas, on va mettre euh, 3,2. Voilà. Et on va faire la même chose sur le, le troisième essieu. Et lorsque tous ces pressions, ben, où on va monter au-dessus de 5,5 ou en dessous de, de, de les, des pressions, ben, on va avoir une alerte. À chaque fois. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour contrôler les pressions, les températures. On va avoir une alerte aussi quand le pneu va monter. Les pneus vont monter au-delà de 70 degrés, peu importe les pneus. Si j'avais eu une remorque ou une caravane ou une semi ou je ne sais quoi, j'aurais mis des capteurs sur leurs roues qui sont ici, bien sûr. Tu vois, il y avait une alerte, High Pressure, mais du coup, là, là elle est effacée, l'alerte, hein, normalement. Tu peux enregistrer ce que tu vois à l'arrière. Voilà, voilà, tu vois, tu les règles comme tu veux. C'est tactile. Voilà, on va les régler au plus large. C'est plutôt l'écran, le, le, l'image elle est parfaite. Hein. Franchement, on y voit très très bien. Il faut juste descendre un petit peu la caméra. Ça, on peut enlever ou remettre les lignes. Ici c'est pour couper le son ou l'allumer. Ici c'est la luminosité de l'écran selon le, le moment de la journée à laquelle tu roules. Voilà. Tu peux régler pour ne pas être ébloui la nuit hein, tout simplement. Il ne faut pas se tromper de cran. C'est pour la nuit, pour voir la nuit. Et ici, c'est pour enregistrer. Mais là, il faut une carte SD dedans, bien sûr. Hein. Et ça, c'est pour les, les pneus. Hein. Voilà. Vas-y, recule, recule. Recule. Ok, c'est bon, je recule. Ça va, mon, mon, mon loulou, c'est bon Ça va Ça marche Impeccable. Ouais. Si tu dois te faire guider, tu vois, c'est quand même super pratique. Hein. Alors, tu peux régler, bien sûr, le son tu peux le couper. Pour pas que ce soit trop euh, sonore, ici voilà, là tu peux régler le volume pour pas l'avoir trop fort, voilà. Et tu peux couper d'ici aussi. C'est super bien fichu, euh, je peux te dire. <coughs> J'ai eu quand même, Allofius, euh, ça a été presque les premiers, le premier partenariat, les, les, les premiers qui m'ont fourni une caméra de recul sans fil avec un écran. Ils m'ont fourni également un, une caméra de recul avec quatre caméras euh, pour mon camion. Et là. Euh, une nouveauté avec le, la pression des pneus. Je trouve ça plutôt pas mal, plutôt sécur. Euh, quand tu roules et que tu veux être sûr de ne pas éclater, t'as une, une remorque, une caravane, tu mets des capteurs là-dessus, tu es tranquille. C'est quand même pas mal. Je vais couper le son à l'arrière parce que ça, c'est énervant. Et voilà. Voilà un petit peu comment ça se présente. Tu auras le lien ici, en description également, le code promo s'il y a un code promo, et le prix, bien sûr, que je vais t'annoncer en suivant. Concernant le prix. 4 capteurs TPMS, c'est. Alors, le prix au moment où tu vas cliquer sur le lien qui est ici va être en dollars. Hein, quand tu vas payer par PayPal, par exemple, ça va automatiquement te faire la conversion en euros. Ça correspond environ à 560 euros avec 4 capteurs et ça dépasse un tout petit peu 600 euros avec 6 capteurs. Si tu as 6 roues comme moi, hein. donc tu choisis la formule qui t'intéresse. Concernant le booster. Je ne suis pas persuadé que j'étais obligé de mettre un booster. Hein, parce que, apparemment, euh, le signal, je pense que de, de, du tableau de bord jusqu'à la roue arrière, il, la dernière roue, il aurait été presque suffisant. Pour avoir quelque chose de fiable, c'est peut-être mieux quand même d'ajouter un booster. Si tu as un véhicule vraiment long, ça veut dire un bus ou euh, que tu auras éventuellement une caravane à l'arrière avec euh, plusieurs capteurs, donc il va te falloir prendre d'autres capteurs, bien sûr, mais six capteurs, par exemple, une voiture, une caravane, c'est suffisant, ou un camping-car, une remorque, tu peux avoir six capteurs aussi. Tu peux aller, euh, je crois que c'est jusqu'à 12 roues, il me semble, donc tu peux aller vraiment loin, même pour un camion ou euh, un attelage assez important. Mais par contre, il te faudra plusieurs boosters. Hein. Il te faudrait un booster sur le dernier, euh, sur le dernier essieu et puis un booster euh, un peu plus à l'avant. Le meilleur positionnement pour le booster, comme sur mon véhicule par exemple, ça aurait été au milieu des deux essieux, à l'arrière. Hein. Tout à fait au milieu, ça aurait été le meilleur positionnement. Bon là, tu as vu, moi je l'ai mis euh, euh, à peu près au milieu du véhicule et ça fonctionne très bien. Mais ça, ça, pour les véhicules très longs, en fait le mieux pour vraiment euh, que ça puisse reconnaître les bons les bons capteurs c'est de le mettre au milieu du, du doli au milieu de l'essieu hein. et tu peux même les mettre à l'extérieur parce que le boîtier est complètement étanche hein. après il faut trouver la source de, de courant bien sûr puisqu'il faut l'alimenter en 12 ou en 24 hein. Euh, J'allais te dire autre chose. Tu peux te dire oui, mais là, euh, on peut te les voler facilement en fait. On peut te les dévisser, et te les récupérer. Sache qu'il y a des petites épingles que moi j'ai pas mis parce que je veux pouvoir gonfler mes pneus quand j'ai envie. Mais il y a une petite pince avec des petites épingles qui te permet de, de sécuriser et de, de, de sécuriser la chose et de ne pas pouvoir les enlever et les dévisser. Hein. Ça c'est prévu, c'est dedans. T'as un petit sac. Avec euh, ces petites épingles et, et au moins on te volera pas les capteurs. Ça c'est pour euh, les gens qui pourraient se poser une question en se disant oui, mais on va me voler les bouchons. On peut pas te les voler si as mis ces petits capteurs. Il y a également dans le kit des joints de rechange. Au moment où tu changes éventuellement la pile, alors c'est des longues durées. Normalement les batteries durent longtemps, mais le jour où as un capteur qui fonctionne plus et que tu dois changer une pile, t'as des petits joints toriques en caoutchouc et tu peux éventuellement remplacer le joint du couvercle pour que ce soit complètement étanche. Ça c'est fourni avec. Voilà, donc je valide complètement HaloFew, c'est le troisième système aujourd'hui que j'équipe. Je, je, hein. J'ai le, le premier système que j'ai eu il y a maintenant quelques années et tu vois que la longévité est au, est, est au rendez-vous puisque ça fonctionnait toujours. J'ai eu ensuite le système pour le camion avec les quatre caméras magnétiques euh, complètement autonomes. Hein. Ça veut dire que tu pourrais éventuellement sur ce système-là poser une caméra comme celle-ci magnétique que tu vas recharger de temps en temps. Ça c'est faisable aussi. Et, et ensuite, ce dernier système avec les capteurs de pression sur chaque roue. C'est vrai que les crevaisons sur les remorques, euh, c'est assez fréquent. Donc, il y a des signes avant-coureurs. Hein. Souvent, le, le pneu monte en température. Quand le pneu monte en température, tu as une alerte et tu as une augmentation de la pression. Tu as une alerte as un éclatement, avant l'éclatement. En fait, hein. ça te permet de pouvoir t'arrêter. C'est vraiment un organe de sécurité, je pense, euh, pour un camping-car peut-être un peu moins, bien qu'il y a des gens qui, qui ne contrôlent jamais les pressions, et ce serait bien qu'ils soient alertés au moment où la pression est basse, mais sur une remorque ou une caravane, c'est beaucoup plus important. Voilà la famille, ben j'espère que cette petite vidéo aura, te rendra service, euh, n'hésite pas, le lien est, est ici et en description, et je te dis euh, à la prochaine vidéo. Ciao